Bonjour la famille, c'est Rocket92, j'espère que vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui la famille on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière parce que dans cette vidéo la famille tout simplement on va faire une recette de tacos très particulière. Un tacos que j'ai tout simplement quasiment jamais fait. Avec tous les tacos que j'ai fait, bah celui-là je l'ai quasiment jamais fait parce qu'on va faire un tacos au poisson pané. Donc j'ai acheté tout simplement tous les ingrédients pour faire un bon tacos au poisson pané pour mon dîner du ramadan. Bon là il est déjà 22h etc, mais j'ai encore faim, du coup je me suis dit là on va faire une vidéo où je vais faire un tacos au poisson pané et je vais le manger en plus de tout ce que j'ai mangé pour le dîner du ramadan parce que j'ai faim, je suis un grand mangeur, vous le savez très bien. Donc du coup dans un premier temps je vais vous montrer les ingrédients pour faire ce tacos au poisson pané et on va le faire en direct dans cette vidéo, c'est maintenant. Mets ton like en même temps, ça me ferait super plaisir, ça coûte pas de pain donc allez je t'attends, mets ton like, vas-y mets le frère, mets le petit like, voilà ça fait plaisir. Bref c'est parti pour vous montrer les ingrédients. Alors pour faire ce tacos au poisson pané je sens qu'il va être extrêmement bon, franchement j'ai trouvé des ingrédients stratégiques, j'ai fait un truc bien. Donc déjà il faut du poisson pané, donc j'ai pris des crusty pâtes, donc du poisson pané 100% Colin d'Alaska, donc les poissons panés crusty pâtes super connu, vous connaissez, c'est des poissons panés croustillants avec de la bonne panure autour, enfin vraiment ça va être de la frappe. Avec ça on va pas mettre des frites, on va essayer d'innover, j'ai pris tout simplement des galettes de pommes de terre, donc des galettes de pommes de terre avec le poisson pané en général ça passe bien, ça c'est mieux que les frites quoi. Donc ouais, des espèces de galettes de pommes de terre fendues aussi bien croustillantes et moelleuses comme le poisson pané, ça va faire une recette extrêmement bonne. J'ai pris tout simplement du cheddar parce qu'on sait pas faire la sauce fromagère, du coup j'ai pris du cheddar qui va bien fondre à l'intérieur du tacos. J'ai pris aussi la pâte à tacos logique hein, et j'ai pris aussi le petit dessert parce que j'ai faim, voilà, quand je vais manger le tacos à la fin il y aura le petit dessert que j'aurai besoin, donc j'ai pris un dessert tu vois tranquille hein, que je devais manger pour un 4h du matin mais il s'est resté, des petites crêpes au chocolat. Après comme boisson j'ai pris du Coca-Cola et là on a de la sauce algérienne etc, enfin vraiment on va faire ce tacos au poisson pané à base de tout ça la famille, je pense que ça va être incroyable. C'est parti pour la cuisson et faire ce tacos au poisson pané. Petite transition la famille aussi pour vous partager un petit plan, voilà, pour ceux qui veulent taffer sur Uber Eats, je connais un Snapchat qui loue des comptes Uber Eats, donc voilà leur Snap sera en description, tout est carré, voilà, pour les gens qui veulent bosser et qui ont la flemme de créer un compte, voilà voilà, je vous partage ce bon plan la famille, Snapchat en description pour les intéressés. Du coup la famille, première étape, on va faire cuire les crusty pâtes, donc c'est parti, donc les poissons panés, donc on en prend une quantité pour un tacos hein, c'est à dire faut pas trop non plus hein. 4 c'est bon pour un tacos, ça suffit, et on va prendre deux galettes de pommes de terre, je pense ça suffit amplement, deux petites galettes de pommes de terre, on va les sortir. Donc voilà, c'est des galettes de pommes de terre que tu peux mettre dans les hamburgers ceux-là, mais tu peux les mettre aussi dans un tacos. Voilà, donc on va les mettre au-dessus des deux poissons panés. Voilà, une galette de pommes de terre est égale à deux poissons panés, comme ça regarde, recouvert, et l'autre il va recouvrir les deux autres poissons panés, vous avez capté. Et du coup on les met directement sur la plaquette de cuisson. Voilà, il faut faire ça pendant 10 minutes, donc on a mis un petit peu d'huile, on les fait cuire tout simplement. Donc voilà, ça c'est les trucs qu'on va mettre dans le tacos, aussi simple que bonjour. C'est pas si compliqué que ça de faire un tacos au poisson pané, je vous le dis la famille. Donc on se retrouve dès que ça commence à cuire. Donc la famille, là mon père il est en train de les faire cuire tout simplement. Voilà, on les retourne petit à petit, tu connais. Et ensuite ici on retourne les galettes de pommes de terre, c'est en train de se griller un peu. Voilà, voilà, on se retrouve dès que la cuisson elle est terminée quoi. Bon la famille, c'est bon, les ingrédients sont cuits, donc montre-leur, c'est ma nièce qui filme hein. Donc là on a les galettes de pommes de terre et là on a les poissons panés. Et voilà c'est parti, on va commencer à faire le tacos au poisson pané, c'est maintenant la famille. Donc désolé si c'est pas très bien filmé, c'est ma nièce qui filme. Dis-leur bonjour hein. Bonjour. Donc voilà, donc dans un premier temps on met la mayo déjà. En fait j'ai pas envie de mettre de sauce algérienne parce que sauce algérienne avec poisson pané je pense pas que ça va être bon. Du coup on met de la bonne mayo qu'on étale un petit peu partout. Voilà, on étale bien. Et on rajoute un peu de mayo sur les côtés comme ça, voilà. Comme ça là sur le côté droit ça fait un petit peu de Riyad Mahrez. Sur le côté de gauche ça fait Neymar. J'ai l'impression que je fais un dispositif de foot, mais bref, voilà, on a étalé un petit peu la mayonnaise partout, vous avez compris. Après, pour les poissons panés, c'est très simple. Regardez la famille, on coupe en petits morceaux les poissons panés. Voilà, des petits morceaux comme ça. Avec un couteau, bah, c'est plus simple. Hein. Voilà, voilà, on coupe des petits morceaux de poissons panés comme ça. Comme ça, on va les insérer par petites boulettes, enfin, par petits morceaux, ça va être mieux, je pense. Voilà. Du coup, poisson panés coupés, on va mettre des morceaux de poissons panés un petit peu partout. Donc voilà, on les met dans le couloir. Hop, on va tout renverser et voilà. Là, on a notre dose de viande, on va dire. Sauf que là, c'est un tacos au poisson pané. Donc voilà, les poissons panés bien dans le couloir. Après, on prend les espèces de galettes de pommes de terre. On les coupe comme ça en petites lamelles. Voilà, comme ça, ça fait poisson pané par-dessus des petites galettes de pommes de terre. Et on prend l'autre galette de pommes de terre et cette fois, on va les mettre un petit peu sur le côté. Enfin, vraiment, on essaye de bloquer les poissons panés, d'en mettre un petit peu partout, quoi. Voilà le travail. Donc là, on a galette de pommes de terre plus poisson pané, ça va être magnifique. Et maintenant, on va rajouter la tranche de cheddar. Comment ça se fait cette merde, hein. Donc voilà, j'ai réussi à ouvrir cette fichue, ce fichu paquet de cheddar. Donc là, t'as vu, tu prends les tranches de cheddar tranquillement, beau gosse. Tu fais comme ça. Et voilà, tu les mets par-dessus comme ça. Oh là, oh, tacos poisson pané, les galettes de pommes de terre, je peux vous dire, ça va être super incroyable. Et là, on rajoute une autre tranche de cheddar, bien évidemment, pour ajouter encore plus de goût. Parce que voilà, il n'y a pas de sauce fromagère, du coup, il faut bien compenser avec le cheddar qui va fondre. Voilà, voilà, ça, c'est carré.
Et après, tu rajoutes la petite dose de mayonnaise comme ça, regarde. Voilà. Bon, ça fait des bruits bizarres, désolé. Et ensuite, on ferme ce tacos au poisson pané. Il va être incroyable, je le sens. Donc, pour le fermer, faites comme ça. Hop. Hop. Et hop. Voilà, le tacos poisson pané est fermé. Voilà, en vrai, ça va, c'est pas si moche, hein. Il est bien. Il est bien carré. Et ensuite, la famille, vu qu'il est bien fermé, on la serre. Hop, dans la machine à tacos, bien comme il faut. Et voilà, c'est bon, le travail est là. Le taco, c'est dans la machine. On se retrouve après, bah du coup, quand il est cuit, pour le déguster, les amis. Bon, la famille, me voilà de retour. Le taco, il a tout simplement cuit, les frères. Waouh! On dirait un chauffage, les frères. C'est incroyable. Waouh, waouh! Non, vraiment, le bail, il a bien chauffé, la famille. Donc, c'est pas un tacos ultra stock, hein. Vous avez vu ce qu'on a mis à l'intérieur. C'est un petit tacos léger après ton repas du ramadan. Voilà, que tu manges tout simplement. Et je voulais tester vraiment tacos au poisson pané. Genre, fait 100% genre par mois, tu vois. C'est pas un tacos où tu mets un McDo dedans, etc. C'est vraiment moi qui l'a fait. Donc, c'est du poisson pané vraiment tout seul que j'ai mis dedans. C'est pas le poisson pané du Filofish ou le poisson pané du McFirst, etc. Enfin, vous le savez très bien. Du coup, ça se trouve, est-ce que ça va être mieux qu'un Filofish, ce tacos au poisson pané? On va le savoir tout de suite dans cette vidéo, la famille. En tout cas, il est bien chaud. Je vais juste un peu le refroidir un peu. Il faut juste le refroidir un peu parce qu'il est chaud. Je sais pas comment ça se refroidit, mais bref. Et avec ça, bien évidemment, j'ai pris une petite connette du Coca-Cola. Je suis devenu addict aux boissons, un truc de ouf, et surtout au Coca-Cola. Et le Coca-Cola chéri, oh mais j'en rafale vraiment. Bref, allez, on va goûter ça. C'est parti, bismillah. Mais c'est pas bon. Je rigole, mais je tapais que la pâte pour l'instant, la famille. Vous savez, les premiers crocs, c'est toujours des feintes de frappe. C'est des feintes de boucher. Tu penses que tu vas taper les ingrédients, mais non, tu tapes la pâte. C'est une feinte de Cristiano Ronaldo, c'est incroyable. Et là, on commence à voir le poisson pané du coup. Ah ouais, j'ai hâte de le taper dedans. En plus, poisson pané croustibat, ça doit être ultra croustillant, je peux vous le dire. Allez, on tape un vrai croc. Regardez, c'est bon, on commence à voir le poisson pané, les galettes de pommes de terre. Franchement, deuxième bouchée, elle est largement plus bonne que la première, vu que je ressens un petit peu le poisson pané. Et après, on ressent pas tous les ingrédients encore. On va enchaîner. Franchement, c'est pas mal bon. Regardez. Regardez, là, on voit super bien les ingrédients. On voit le poisson pané, les galettes de pommes de terre, là. Oh là là, c'est incroyable. Et ça change des tacos, c'est avec de la viande, etc. En plus, la famille, le cheddar, il a super bien fondu, regardez. Regardez la preuve que le cheddar, il a fondu. Hein. On dirait de la sauce fromagère, carrément. Et là, on s'hydrate un peu avec Coca-Cola, parce qu'il faut pas oublier, on est sous ramadan, il faut s'hydrater quand même. Allez, c'est parti. Je m'hydrate pas avec la meilleure des boissons, mais bon, il y a du Coca-Cola, on dit pas non. À la vôtre. Bref, on va retaper ça. Non, j'aime bien. Franchement, les bacs de haut tacos. Tacos, ils devraient essayer de sortir un espèce de tacos au poisson pané. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, hein, vraiment. Pour les gens qui mangent pas forcément de la viande, ça pourrait être intéressant pour eux. Du coup, la famille, je vais le faire goûter à ma nièce. Regardez, je lui ai coupé un tout morceau. Voilà, tout je dis, vu qu'il y a le Covid. Vas-y, viens, viens le goûter. Tu vas me dire ce que t'en penses. Essaye de taper le poisson pané aussi. Il y a le poisson pané. T'aimes bien ou pas? Dis-moi la vérité. Vas-y, on va la laisser mâcher bien comme il faut, histoire que voilà, sa papille gustative lui donne le goût. Franchement, j'adore. T'aimes bien? Non, vraiment, vraiment. Non, mais c'est trop bon. Ok. Il est validé ce tacos au poisson pané. T'aimes bien? T'as vu, ça change des tacos avec de la viande. Ouais. Non, vraiment, les tacos au poisson pané, les frères, c'était nouveau et on voulait tester. Vraiment très très bon. On espère que du coup bah, cette vidéo vous aura plu. Hein. Donc n'hésitez pas à bombarder cette barre de like pour cette recette spéciale tacos au poisson pané. Bombardez la barre de like. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ça coûte rien, c'est totalement gratuit. À vos potes, à vos chiens, à tout ce que vous voulez les frères. Voilà, mettez un petit commentaire. Vous abonnez à la chaîne bien évidemment parce que déjà on est bientôt 400 000. 400 000 abonnés. On est bientôt 400 000. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et sur ce, bah, on a tout dégusté. On va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao la mif.